Et bonjour les amis, bah écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les pronostics Quinté Plus de ce jeudi 5 mai 2022. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. Alors n'hésitez pas les amis à aller voir mes autres chaînes YouTube qui sont ici. Et puis très important, point très important, n'hésitez pas à aller en description sous la vidéo. Donc vous avez mon lien Twitch. Donc très important, n'hésitez pas à le follow. Voilà, donc ça a besoin de vous et ça mâche pas de pain, c'est gratuit et ça coûte rien. Donc voilà, et vous avez en plus les vidéos en live, donc bien en avant-première de ce que je mets sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller les voir et puis vous pouvez chatter avec moi puisque le chat est toujours ouvert sur Twitch. Donc ceci étant dit, les amis, allons-y gaiement. Pour le prono, mais n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, à partager, à vous abonner et à commenter. L'algorithme YouTube marche comme ça, donc n'hésitez pas à le faire. Donc allons-y pour le Quinté Plus, les amis, c'est parti. Donc ce sera la réunion 1, course 1, à Lyon-Paris-Lille. C'est le Grand Prix de Lyon-Paris-Lille. Le départ se fera à 13h50. C'est du plat sur 2400 mètres. Il y aura 16 partants. 50 000 euros d'enjeu, c'est un handicap divisé, une corde à gauche et c'est une piste en herbe. Mon niveau de confiance, il est de 3 sur 5 pour cette course-là, donc aucun en partant en vue pour le moment, donc à voir si ça tient jusqu'à demain. Donc je vous mets la liste des partants, hein, mettez pause dessus quand vous le souhaitez et on y va pour le prono. Donc mon favori de ce jeudi sera le 7 Nuances, qui sera monté par Paco. Ma base, ce sera le 9 Théorème, monté par Lecoeuvre. Mes outsiders seront le 1 Big Call, monté par Guyon. Le 15 Misak Miki, monté par Pasquier. Et le 2 Electron Libre, monté par Crastus. Mon regret, ce sera le 8 Marquant, monté par Velon. Pour ce qui est de mon conseil de jeu, alors mon 2 sur 4 sera le 7 et le 9. Mon 2 sur 4 combiné sera le 7, 9, 13. Mon couplet sera le 7 et le 9. Mon couplet combiné en 3 chevaux sera le 7, 9, 13. Mon couplet combiné en 4 chevaux sera le 7, 9, 13, 1. Mon multi en 7 en champ total sera le 7, 9, 13, 1, 16 et 15. Mon multi en 7 normal sera le 7, 9, 13, 1, 16, 15 et 5. Mon tic 3 sera le 7, 9, 13, 1 et 16. Et pour ce qui est de ma sélection ou de mon jeu en 8 chevaux pour le tiercé, quarté, quinté, combiné en 8 que vous pouvez jouer en flexi, bien entendu. Ce sera le 7, le 9, le 13, le 1, le 16, le 15, le 5 et le 2. Et mon cheval de complément sera mon regret, le numéro 8. Donc les amis, voilà pour le pronostic Quinté Plus. Donc nous allons passer, comme d'habitude, à mes trois bases. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque hier j'ai eu un message. Comme quoi, je ne donnais pas mes trois bases. Je les donne maintenant, juste après là. Donc voilà, on va y aller tout de suite. Regardez, c'est parti. On y va pour mes trois bases, les amis. Voilà, mes trois bases du Quinté. Donc, ma première base, qui sera mon favori, le numéro 7, Nuance, qui est une femelle de 5 ans. Ce sera Paco aux manettes. aux manettes, pardon. Ouh, j'ai eu un petit chat dans la gorge, ça m'a vu une voix bizarre. Béguigne, l'entraîneur,
10 courses courues, 3 victoires, 7 autres. Donc 30% dans les 3 premiers, cheval qui a besoin de gains. Donc à voir ce qu'il fera sur le terrain, mais voilà, je pense que il peut faire le job. Maintenant, à voir. Voilà. À voir ce que ça donnera. Ma base, ma deuxième base, donc ce sera le numéro 9, Théorème, qui sera sûrement l'un des favoris de la course, même le favori. Donc c'est un nombre de 4 ans, c'est le Lecoeuvre qui sera aux manettes, devant l'entraîneur, 5 courses courues, une victoire, 3 fois deuxième et troisième, une autre, 80% dans les 3 premiers. Donc je pense que ce cheval-là, il faut pas l'oublier. Faut surtout pas l'oublier, les amis. Donc n'hésitez pas à le mettre dans vos jeux. Montocar sera le numéro 1 Big Col. Donc Hongre de 5 ans, c'est Guyon aux manettes. Ferland, l'entraîneur. 12 courses courues, 4 victoires, 3 fois deuxième et troisième, 5 autres. 58% dans les 3 premiers. Alors cheval très intéressant qui pourra entrer à bon rapport. Donc ce serait pas mal qu'il rentre dans les 5, voire dans les 3. Vraiment très intéressant. Donc voilà pour mes 3 bases. Mes 3 bases, je dis bien. Donc quand on m'envoie des messages que mes 3 bases sont introuvables, ben si, j'ai tout le temps mis mes 3 bases comme ça. Juste après le quinté, où avant c'était des vidéos séparées, mais là c'est juste après le quinté plus. Donc c'est pour ça que les vidéos sont plus longues. Mais voilà. Après, il faut juste regarder les vidéos en entier. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur mes 3 bases, les amis. Et maintenant, on va passer à ma dernière minute, qui sera le numéro 12. Chut the Box. Donc ma dernière minute est toujours un cheval que je ne mets pas dans mes pronos. Voilà, c'est un cheval qui me tente, mais en même temps non. Donc voilà, voilà, vous allez comprendre, puisque c'est un Hongre de 4 ans, c'est Blondel aux manettes, Chotard, l'entraîneur, 11 courses courues, 2 victoires, une fois, deuxième et troisième, 8 autres, 27% dans les 3 premiers, donc c'est un cheval, vous voyez, à sa musique, ne me plaît pas trop. 6e, 7e, 0, 7e, 7e, premier, 5e, 6e. Donc un cheval qui a des nuances et qui peut se louper. Donc je préfère l'écarter de mon pronostic. Par contre, je mettrai une petite pièce dessus, histoire de me couvrir. Cela arrive dans les 3. Voilà. Souvent, enfin parfois ça arrive. Hein, vous le savez très bien. On n'est pas devin. Et tout peut arriver au PMU. Voilà. Donc sur ce, les amis, je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous fais plein de poutous. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne Twitch en description sous la vidéo. Hein. Ce n'est pas ce qui passe là, mais c'est sous la vidéo. Vous avez tout dedans. Voilà, et ma chaîne Twitch est en premier. Donc, je vous invite à aller follow si vous voulez les pronos en avant-première. Sur ce, bonne journée à tous. Bye!